peux le faire en anglais si tu veux. Hein. Oh, ça me va, les deux ça me va. Ah, ben, on fait français. Cédric Carvajal, raconte-moi avec quel état d'esprit et des formes tu approches l'espace ton Liège. Je pense que moi, comme toute l'équipe, on est super motivé à l'idée de faire la course demain. Les conditions vont être pas mal tendues. Je pense qu'il va faire froid, un petit peu comme à la Flèche. Donc, on a hâte de se battre. Tu as déjà participé 3 fois dans la Dorienne. Raconte-moi quelle leçon tu peux tirer de ces expériences. C'est vrai, donc je pense que c'est la course à laquelle j'ai le plus participé depuis que je suis pro. Donc, j'ai appris que le placement était vraiment important sur cette course, mais que aussi c'est un peu, je dirais, comme une vingtaine de contre-la-montre, des mini contre-la-montre en une course, parce que c'est des côtes qui sont relativement longues. Donc, je pense qu'il va falloir être toujours placé, toujours à l'affût, et puis. Pas compter un petit peu ses coups de pédale en début de course et puis tout mettre à la fin. Quels sont les buts individuels et collectifs pour les 60 Liège? Alors collectivement, je pense que le but, ça va être de faire une belle course d'équipe et puis de réussir à pourquoi pas mettre 2 filles, je dirais, dans le groupe à l'arrivée. Et puis individuellement parlant, je pense que je me mets pas de pression de résultat. C'est plutôt... ce que j'ai envie, c'est vraiment de ne pas avoir de regrets à l'arrivée et d'avoir donné tout ce que j'avais à donner. Bonne chance. Merci. Et profite bien. Merci beaucoup.